Est-ce qu'on peut nous asseoir, s'il vous plaît? Madame Evelyne Mantoux, bonsoir, nos félicitations. Bonsoir, madame. On dit souvent que la personne qui fait de la littérature, c'est une personne qui traverse le monde. Et je crois sincèrement que ce trophée que vous méritez va vous permettre de faire vivre encore plus les tendances, soit sociales, politiques, économiques, ou que sais-je, pour faire vivre le monde que nous vivons actuellement. Félicitations et merci. Voilà, et encore une fois, toutes nos félicitations, madame. Un petit mot, peut-être? Bonsoir à tous. Je suis évidemment votre intervenue. Des remerciements. Premièrement, je tiens à remercier Mbox, qui est invisible, mais qui est le garant de ma vie, le bon Dieu. Deuxièmement, je tiens à remercier Ali, je ne sais pas s'il est déjà là. Merci beaucoup. Merci à tous les organisateurs pour ce genre d'initiative. Et je souhaite vraiment longue vie à votre structure. C'est très bien ce que vous faites. Je suis ravie. Je tiens à remercier aussi mon mari. C'est vrai que l'écriture, c'est un moment de solitude. Et dans les moments où je me retire pour écrire, lui, peut-être qu'il aimerait faire les choses, mais je dois écrire, et merci pour sa compréhension. Et merci à tout le monde. Et comme Bruxelles, je sais que c'est une ville bilingue, voire trilingue. Bon, les mains sont Vlaamsprekend, donc, ouais, allemand, pour people speak English. Thank you so much. Bonne soirée. Merci beaucoup, madame. Est-ce qu'on peut toujours le passionner, s'il vous plaît? Amen. Bienvenue. Et nous allons appeler à présent M. Arwan Med pour la remise du prochain trophée. Monsieur...